Bonjour, nous parlons du Boléro de Maurice Ravel. Ah, le Boléro. Le Boléro, c'est une œuvre irrésistible pour certains et bien agaçante pour d'autres. Mais tout le monde connaît le Boléro. C'est une œuvre singulière, c'est peut-être l'œuvre la plus jouée et la plus connue de la musique classique. Mais à mon avis, c'est une œuvre un peu méconnue. Oh bah, le début du thème, ça va. Ah, lila, 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 là, tout le monde peut le chanter. Mais le thème en entier, vous êtes capable de le chanter? Et les instruments? Qui est-ce qui sait exactement quels sont les instruments qui jouent ce thème? Même simplement les deux premiers instruments. Donc, nous allons essayer de voir tous ensemble pourquoi cette œuvre produit un tel effet. On sait que c'est un gigantesque crescendo orchestral, mais ça ne dit pas tout. Il faut encore essayer de voir ensemble pourquoi. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, en compagnie de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et de son chef, Monsieur Ono. Mais tout d'abord, pourquoi Boléro? Bah, il faut dire